Yo les potes, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner Sangoku SSJ Divine Dragon en pixel art. Avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner avec la cloche des notifications, parce que bientôt j'ai bientôt les 15 000 abonnés et il y aura une vidéo spéciale 15 000 abonnés. Donc vraiment abonnez-vous et activez la cloche, profitez-en, c'est gratuit. Et en plus je sors tous les jours des vidéos pixel art. Donc comme matériel, il vous faudra déjà du brun, donc il faut beaucoup de couleurs les gars, du beige, du gris, du rouge, du noir, du rose, du jaune, du bleu clair, du bleu, ouais, et du jaune, voilà. Alors déjà, comme d'habitude, on commence par les contours, voilà. Donc alors déjà, premier petit conseil, commencez vraiment tout en bas de la feuille parce que le dessin va être énorme, il va être énorme, je vous le dis déjà. Voilà, ça c'est juste le petit conseil de début de vidéo. Donc alors déjà, commencez bien au milieu de la feuille. Alors, déjà là vous faites un 2. 1, 1. 1, 2, 1, 2. Ensuite, là, vous faites 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2. Là, on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, là, on fait 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 2 et 3. Là maintenant, on va passer par la tête. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Voilà. 1, 2. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, on fait 1. Ils sont fait 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite là, on fait 1, 1, 2. Voilà. On se l'en met un poil, on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, là on, fait, on met là, on met encore un petit point. On fait 3, 1, 2, 3. On fait 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1 et 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7, excusez-moi. Hop, là on met un petit point. Est-ce qu'on fait 1, 2, 3, 4. Là, on monte. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. 1, 1, 2. 1, 2 et 1, 2. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va redescendre. Voilà, on fait 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 3. Voilà. Là, on fait 1 et 1. Et là, 1
et 2. Voilà. Alors maintenant, ensuite, alors je vais vous montrer un truc. Alors là, ici on fait 1, voilà, 1, 2, 1, 2 et 3. Donc c'est un truc pour y rajouter qui est assez sympa. Ensuite ici, déjà, ensuite là au fait, là vous laissez 1, 2, et ici, vous devrez mettre un petit point, voilà, et là aussi. Et voilà, donc là les contours sont terminés, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au coloriage, c'est parti. Donc maintenant les gars, ce que vous allez faire, vous devrez prendre le brun, voilà. Alors déjà on va commencer les pieds, donc en fait on va dessiner au pied jusqu'à la tête, voilà, donc c'est la meilleure des astuces pour suivre quand on fait des vidéos dessins. Alors déjà en bas, déjà ce que vous allez faire, on va colorier ici. Par contre je colorie un peu mal parce que j'ai du mal à voir à cause de la caméra. Voilà, donc voilà, suivez ce que je fais. Ensuite là, on aura colorié ici. Hop. Et voilà, maintenant on n'aura plus besoin du brun. Maintenant, ce que vous aurez besoin, c'est du bleu. Voilà. Et on aura colorié ce qu'il y a ici. Là. Voilà. Voilà. Ensuite ici. Et voilà. Ensuite, on devra colorier aussi là en haut. Voilà, là aussi ici. Voilà, donc on fait couleur par couleur, c'est mieux. Et ensuite là. Et voilà. Maintenant ensuite ce que vous devez prendre, c'est du brun clair, et en gros on devra mettre un petit trait ici, on monte comme ça, voilà, et là on devra colorier toute cette zone. Voilà, ensuite on fait ça, la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est là. Voilà. Ensuite, maintenant, ce qu'on va en faire, c'est prendre le orange et le jaune. Donc, on va commencer par le orange. Voilà. Alors, déjà, on devra faire un genre de trait. Comme ça. Voilà. Ensuite, là, on va mettre un petit point. Ensuite là on tire un trait. Voilà. Donc ensuite on descend. Maintenant là ce qu'on va faire c'est
compliqué. Ensuite en haut, il faut faire la même chose à peu près. Donc là, on monte. Voilà. Ensuite là. Voilà. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est reprendre le noir. D'accord? Donc là, ici, là, vous laissez un petit espace, vous faites 1, là 1 et 2, voilà, là vous faites 1, 1, 2, 3, là on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, là on colorie. Donc là, je me suis trompé en fait. Non, en fait, là, c'est un carreau en dessous. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre le jaune que je vous ai demandé en début de vidéo. Voilà. Et ces deux coloriés. Donc là, tout son corps, à peu près. Voilà, donc regardez bien ce que je fais, hein, parce que sinon vous risquez de vous tromper au coloriage, et ça c'est vraiment très dommage de se tromper au coloriage. Voilà, donc il vous faudra beaucoup de jaune, hein. Beaucoup, beaucoup de jaune. Et voilà. Maintenant, ce que vous aurez fait, vous aurez prendre le bleu, bah, le bleu, voilà. Donc là, on dessine un carreau, le carreau, voilà. Ensuite, là, vous faites deux traits, vous coloriez ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Maintenant, on devra prendre le beige, voilà, le beige. Ensuite là, on colorie sans notre main. Voilà. Maintenant, on va colorier la tête de Sangoku. Alors là, je vais faire des traits, ok? C'est pour vous montrer ce qu'il faudra, qu'il va falloir colorier. Alors, déjà, on descend tout en bas comme ça. On remonte,
Voilà, donc là on laisse deux carreaux, on fait un trait de 3. Hop. Là on fait un 2. Hop là. Et voilà. Et maintenant là, on va passer au coloriage. Et voilà, maintenant ce qu'on va faire, donc ça va être la partie la plus compliquée de la vidéo bien sûr. Alors vous devrez prendre le rouge, voilà, donc le rouge, ok. Donc là déjà, on va faire un trait. Ok, ensuite là. Voilà, donc on va faire le contour de ses yeux. Ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est que là... Alors je me suis trompé en début de vidéo, mais vu que c'est du rouge, on ne voit pas le beige. Donc ça, c'est vraiment de la chance. Voilà. Ensuite là, on fait deux petits traits. Ok. Voilà. Là. Voilà, donc là on dirait Son Goku, on dirait plutôt c'est un zombie, mais non, pas du tout. Vous allez voir que vers la fin de la vidéo, ça va donner un truc assez stylé. Voilà. Donc suivez bien ce que je fais, hein. C'est vraiment une chose, je trouve, compliquée ici. Voilà, parce que il y a beaucoup de traits à faire et des trucs à suivre. Voilà, même moi j'ai du mal à suivre d'ailleurs ce que je fais. Ok. Et voilà, donc là je trouve ça donne un truc vraiment, 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 vraiment stylé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre le rose, d'accord? Et donc, colorier sa tête et tout ça. Alors, par contre, faites attention, alors il y aura des choses qu'il va falloir laisser en blanc. Donc regardez bien ce que je colorie, d'accord? Donc les trucs que je vais laisser en blanc, voilà. Alors... Par exemple, là, ici, il va falloir déjà colorier en rose. Voilà. Ensuite, là, maintenant, là, ici, il va falloir laisser quelques carreaux en blanc. Donc là, par exemple, là. Là aussi. Et ici, maintenant, colorier.
Voilà, maintenant ici aussi il faut laisser. Hop. Et voilà. Maintenant, là, ici, on colorie tout. Comme là, d'ailleurs. Ouah, ça donne vraiment un truc stylé. Hein. Ouah, le dessin, il est énervé à mort. Alors là, faites attention. Là, ici, il va falloir laisser quelque chose en blanc. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit trait pour séparer. Maintenant, là. Donc là, en haut, là, ici, c'est le côté il faut le plus laisser en blanc. Voilà, donc comme là. Alors ça, on peut colorier déjà. Hop. Tout ce qu'il y a là, on peut colorier. Voilà. Et là, on peut ajouter quelques petits détails, hop. Et voilà, mais ça donne vraiment un truc assez magnifique. Alors, il y a juste un truc, je trouve, ici, c'est un petit peu bizarre que les yeux sont rouges. Mais en fait, c'est la luminosité qui fait que c'est un peu clair. Regardez, si j'enlève la luminosité... Oh, ça fait un petit peu moins bizarre. Voilà, donc c'est un petit peu normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai oublié de vous demander de prendre un gris. Voilà, un gris clair. Voilà, donc je m'en excuse. Alors ici, on va mettre quelques petites couches de gris là, là et ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est prendre le... un genre de gris. Et voilà. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est prendre le bleu clair. Voilà. Et on va dessiner un contour assez magnifique. Alors, le contour, alors il sera assez compliqué, mais pas trop. Alors, regardez. Donc, regardez bien ce que je fais. Alors. Alors regardez.
Donc voilà, c'est pas très 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 compliqué. Il faut juste suivre la vidéo, tout simplement. Voilà, donc parfois, si, j'ai du mal à m'exprimer, parfois, quand je fais mes vidéos. Je sais pas si vous avez capté, parfois, je dis des trucs qui sont pas du tout vrais. Parfois, ça marque que j'ai du mal à m'exprimer, donc... Bon, parfois, si je m'exprime mal, voilà, m'insultez pas dans les commentaires, comme je connais certains d'entre vous tous. Voilà. Et voilà. Wow, ça va, ça donne déjà quelque chose. Alors là, par exemple, ouais. Alors, là maintenant, ici, donc là, on fait aussi un petit contour. Voilà. Ah, donc là on fait un petit contour juste en dessous des jambes. Maintenant ici. On fait un tout grand contour, voilà. Comme d'habitude, hein, j'aime bien les contours. Voilà, alors je veux aussi vous parler d'un projet qui va être sur ma chaîne YouTube, voilà. Alors, je vais faire plein de pixel art de Sangoku. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous en parler. Voilà, donc il y aura toutes les formes de Sangoku. Donc il y aura aussi le Aura Black Goku. Voilà. Ouais, donc il y aura toutes les formes de Sangoku qui sera sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc ça va être assez stylé. D'ailleurs. Alors. Ok, et ici, hop là. Ouah, ça donne un truc vraiment tellement d'art. Non mais regardez-moi ça. Mais c'est magnifique. J'ai jamais fait ce dessin, donc ah, je trouve ça vraiment tellement stylé. Alors, maintenant, alors, donc la vidéo va bientôt être terminée. Ça aussi, je tiens à vous préciser. Alors ici, là dans le coin, alors déjà on va monter de 1, 2 et 3. Voilà, 1, 2. Voilà, ensuite là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, on fait 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, là, ce qu'on va faire, on fait 1, 2, 3, 4. Et ensuite là on fait 1, 2. Hop, jusque là.
Voilà. Maintenant, après qu'on soit vraiment tout en haut, là vous allez tirer un tout long trait jusque là, hop. Et là, hop. Vous tirez un autre trait. Et voilà. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est monter. Hop. Et monter. Voilà. Donc ça donne déjà un truc qui est réellement d'art. Maintenant, on va reprendre le bleu que je vous ai demandé, comme d'habitude, en début de vidéo. Voilà. Et donc là, on va colorier. Donc déjà, ici. En espérant que ça rentre bien. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ouais, donc là aussi, hop. Ensuite en bas, là, c'est la même chose. Voilà, et aussi tout en haut. Et voilà. Et pour terminer, donc on va prendre le gris. Voilà. Et on va colorier des contours. Alors déjà pour commencer ici. Voilà. Maintenant, c'est en bas. Voilà. Ensuite là, donc là vous allez faire deux carreaux. Voilà. Maintenant ici, on fait la même chose. Voilà, maintenant là, on monte tout en haut. Tout en haut, hop, on refait la même chose, mais cette fois de l'autre côté, donc là. Ouais, ça va être d'art, ça va être d'art. Waouh. Ah, c'est chaud là. Oh, quand tu vois ça, frère, tu flippes, hein. Oh, mec, c'est tellement stylé. Ouais, c'est tellement stylé. Maintenant, ici, pour terminer la vidéo. Alors là, maintenant, ici, vous allez faire du 2. Ok. Et voilà. La vidéo est terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et avant de terminer la vidéo, je voulais vous demander quelque chose. Alors dites-moi dans les commentaires quel est le dessin que vous préférez entre celui-là et celui-là. Voilà, donc
Voilà, donc mettez votre choix dans les commentaires, voilà. Voilà. Celui-là, il est quand même magnifique. Voilà, les deux sont magnifiques d'ailleurs. Et sur ce, abonnez-vous, activez la cloche, car bientôt j'ai les 15 000 abonnés. Voilà, donc ça m'aiderait vraiment que vous vous abonnez. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, les gars.